Bonjour et bienvenue sur Madame Récré en français. Aujourd'hui, nous allons déballer le quartier général de la Pat' Patrouille. Voici le dos de la boîte qui montre tout le contenu et comment on peut jouer avec. Là, on nous dit qu'il y a un périscope qui fonctionne réellement. Il y a également un petit ascenseur. Il y a aussi un toboggan qu'on va utiliser plusieurs fois. On va tout de suite déballer le coffret et voir exactement ce qu'il y a. Alors, j'ai tout sorti et nous avons ici le périscope. Donc en fait, le périscope, quand on regarde dedans, on est censé ne rien voir, car vous voyez, mais en fait, on va pouvoir voir tout ce qui se passe là. Donc je vais mettre mon doigt devant, et là on peut le voir. On a l'impression que c'est une longue vue. Il y a également le logo de la Pat' Patrouille, qui a des sons. Il y a une petite figurine de Chase, qui peut courir, allonger ses jambes et les refermer. Il y a aussi son camion qui roule et on va mettre Chase dedans et voir à quoi il ressemble dans son camion. Le voici. On va assembler le kit. Donc là, c'est très très simple à faire. On va mettre le haut de la tour et on va la fixer à la base. Et surtout, il faut appuyer très très fort. Voilà. Et voici à quoi ressemble l'intérieur de la tour. Tout en haut, donc on a le quartier général avec Chase devant. Et de l'autre côté, il y a également un poste de commande. On va maintenant fixer la rampe à la tour. C'est très facile à faire. Nous avons presque fini d'assembler le quartier général. Il manque juste deux ou trois détails. On va commencer par le toboggan. Donc le voici. On va le fixer sur le côté. Juste là. Et également en bas, comme ceci. On va maintenant mettre le logo à sa place. Et il manque plus que le périscope qu'on va fixer comme cela. Il y a un dernier petit détail. On va fixer ces deux parties rouges au bas de la tour. Et voilà. Et le quartier général est maintenant entièrement assemblé. Et il est prêt à recevoir la Pat' Patrouille. Hey, bonjour les amis. Venez avec moi tout en haut de la tour. Alors, voyons voir ce qu'il y a comme problème aujourd'hui. Je vois qu'on a quelques petits problèmes, mais c'est bizarre, il n'y a personne en haut. Je suis tout seul ici. Qu'est-ce qui se passe? On va voir. Je vois des choses étranges. Oh, mais c'est Zuma! Il est en super-héros. Ah, mais regardez qui je vois d'autre, c'est Ruben. Lui aussi, il est en super-héros. Et même Marcus, il est en super-héros. Moi aussi, je veux revêtir ma tenue de super-héros. Allez, j'y vais. Je vais descendre par le toboggan.
Ryder vient d'arriver en bas, mais tout le monde est déjà en haut. Et c'est vrai qu'ils sont tous habillés en super-héros. Hé, regardez les amis, je vois Chase arriver. Il a plein de surprises. Et en plus, il est en super-héros lui aussi, comme nous. Et salut Chase, mais qu'est-ce que tu nous apportes? Regarde, regarde, j'ai plein de surprises en plaido de toutes les couleurs. Waouh! Waouh, super, et c'est pour qui ça? Mais c'est pour tous mes amis. Il y a une surprise pour chaque membre de la Pat' Patrouille. Eh bien Chase, on va tout de suite commencer à voir ce qu'il y a dans ces surprises plaido. Alors, nous avons de la couleur bleue. Et nous avons ici une petite figurine de Chase. Et le voici tout en bleu. Et il est très content de sa figurine. On continue avec la pâte à modeler rouge. Et là, je suis sûre que vous l'avez deviné, il s'agit de Marcus, le pompier au casque rouge. Et Marcus n'est pas du tout mécontent de la figurine. On continue avec le jaune. Et là, nous avons une figurine de Ruben, l'ouvrier de chantier. En jaune. Je crois qu'il aime beaucoup sa figurine lui aussi. On continue avec la couleur orange. Et je suis sûre que vous savez déjà qui c'est. C'est un membre de la Pat' Patrouille qui a un casque de couleur orange. Et il n'y en a qu'un, c'est Zuma. Le voici. Superbe Zuma, tout en orange. Pâte à modeler verte. Ça, c'est un membre de la Pat' Patrouille. Il conduit un camion de recyclage. Et le voici. Tout mignon Rocky. On va le mettre devant Rocky en Super Pop. Et on va finir par la dernière couleur, le violet. Et vous savez déjà qui c'est. C'est Sky, ou Stella en français. La voici, toute mignonne, elle conduit un hélicoptère. Mais où est-elle? C'est bizarre, je ne la vois pas. La voici, Sky, en Super Pop. Bonjour les amis, vous me cherchiez? Ah, il y a une figurine pour moi. Super! J'adore, elle est très bien faite. Et Chase aussi, il est vraiment très bien fait. Nos amis vont renvoyer toutes les figurines par le toboggan directement dans le camion de Chase. Chase. Marcus. Et Ruben. Le quartier général de la Pat' Patrouille a un périscope qui fonctionne, une tour de contrôle où tous nos petits chiots peuvent se mettre. Il y a aussi le logo avec des sons, un long toboggan.
et tous les membres de la patte-patrouille ont, comme à leur habitude, répondu présent à l'appel. Mais cette fois-ci, ils sont venus tous habillés en super-héros, Super Pups. Et même Sky, Stella, était elle aussi en super-héroïne. Magnifique. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo sur le quartier général de la Patte Patrouille. Merci et à très bientôt sur Madame Récré.